Salut, on est en direct à Kitambo Magasin. Je suis en face d'un génie créateur congolais. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Momakalu Madomi. Pardon, si vous pouvez parler un peu fort. Je m'appelle Momakalu Madomi. Oui. Qu'est-ce que vous nous réservez cet avant-midi? Bon, je vois qu'il y a du monde tout autour là, autour d'un agent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Ici, je vais vous présenter, c'est un lave-main intelligent. Ok. En fait, c'est un lave-main intelligent. Un lave-main intelligent, ça a trois étapes. Oui. La première étape, il faut d'abord prendre les savons. Il faut prendre les savons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Il prend le savon. Vous êtes en direct, nous sommes à Kitambo Magasin. Vous avez dit c'était déjà quoi votre nom? Je m'appelle Momakalu Dominique. Ok, Momakalu Dominique. Momakalu Dominique, oui. Ça, c'est un lave-main intelligent. Oui. À trois étapes. Oui. À trois étapes. La première étape, c'est le savon, deuxième, l'eau, et puis troisième, sèche même. Ok. Pour prendre le savon, c'est simple. Ici, on ne va rien toucher. C'est okay. Juste des. Tu vas présenter seulement les mains et directement, ça va commander le système et puis du coup, ça va se. Donc, si je comprends bien, c'est automatique. Ça va commander automatiquement. Ok. Est-ce que vous pouvez faire une démonstration? Ouais, la première étape, je prends le savon. Pour prendre le savon, je présente les mains. Vous voyez? Ok, je vois. Dès que vous enlevez, ça coupe automatiquement. Parfait. Okay. Frotte les mains et puis après avoir fini à frotter les mains, okay. Je présente mes mains ici. Quand encore vous présentez les mains à côté du robinet, ça se lance automatiquement. Parfait. Ouais. Quand j'ai fini, ça se ferme automatiquement. Bon, ça se ferme automatiquement. Si je vais rien toucher ici, la troisième étape pour finir. La troisième étape pour finir. Mes mains ici pour sécher les mains. Donc, le séchage automatique. Là, ils sont en train de sécher les mains. Je vois que vous êtes connecté en direct, partagé massivement. C'est notre compatriote congolais qui a mis en place un lave-main automatique. Là, nous sommes en train de faire la démonstration en live. Nous sommes à Kitambo Magasin, partagé en masse, soutenant ces créateurs congolais. Mr. Mulumba. Moma. Alors, dites-nous, vous êtes ingénieur, vous travaillez, vous étudiez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, en fait? En fait, j'ai terminé mes études en technique, en électronique. En électronique, vous avez fait l'université ou non, juste non, si, en fait, j'ai passé à l'université, j'ai fait la préparatoire à l'histoire. La préparatoire à l'histoire? Oui, pour continuer là, j'avais pas les moyens, là, je suis en train de chômer à la maison. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes que D6, vous avez juste votre diplôme d'État, mais vous êtes déjà en mesure de mettre en place ce que nous sommes en train de voir là. Tout ça, plus, des c'est pas fini. Ce sont des recherches personnelles. Des recherches personnelles. Donc, notre ami a réussi à mettre au point un lave-main automatique. Donc, il a contribué à sa manière avec le peu de moyens qu'il a pour lutter contre le coronavirus. Donc, nous sommes là. Et est-ce qu'il y a autre chose à nous présenter pour cet engin? En fait, je vais vous présenter ça. Ça se commande à distance à travers un thermomètre dans un poêle. Je peux alimenter ça et éteindre ça à distance avec ce thermomètre. Donc vous alimentez quoi précisément? L'ampoule. Ouais. Ou autre chose. Donc la télécommande, c'est juste pour commander la lumière. Donc là, c'est la nuit, en fait. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que vous demandez à tout le monde qui vous suit? Quelles sont vos difficultés? Est-ce que vous pouvez vous exprimer vos besoins? Qu'est-ce que vous voulez, en fait, pour cette réalisation? En fait, ce que je veux vraiment,
je veux qu'on puisse me soutenir parce que ça, c'est ça la technologie. Ouais. Je veux la soutenir parce que dans nos propres l'argent comme ça, on ne peut pas. Gardez-vous de la distance, c'est un mètre, papa. Salut mes amis, donc vous avez suivi vous-même le génie créateur congolais. Vraiment cool. Un jeune congolais, à peine diplômé d'État. Il réussit à mettre au point un lave-main automatique avec trois étapes. D'abord, le savon. Est-ce qu'on peut, on peut reprendre la démonstration, s'il vous plaît? Donc, nous allons reprendre la démonstration. Partagez massivement, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il a placé. S'il vous plaît, reprenez, nous allons voir. Donc, il place sa main automatiquement. Le système lui donne du savon. Voilà. Ça se coupe automatiquement quand il retire la main. Eh bien, il prend le temps de bien frotter et quand il présente ses mains à côté du robinet, ça lui donne de l'eau. Et voilà. Quand il retire, l'eau se coupe automatiquement. Et là, il va maintenant pour sécher ses mains. Ça, c'est génial. Donc, notre ami a contribué à la lutte contre coronavirus à sa manière, avec ses moyens. Et nous rappelons que c'est juste un D6, donc il vient à peine d'avoir son diplôme d'État, mais il sait déjà un